Bonsoir Yo tout le monde. Alors tu sais quoi? Non. S'il y a du son, j'en ai pas. Non, sans rien, y en a pas. Là, t'entends peut-être. Non. Bon, là, t'entends peut-être. Oui. Oui. C'est bon. Ça, il y a du son. Ça, c'est Allez, du son. C'est bon, parti. Alors, la dernière fois, on avait raté de faire la date de naissance d'Atonner. Alors aujourd'hui, tu vas retenter. On retente l'expérience. Alors, hop. Tu vas avec un rubis par un rubis. Ouais, bon, on n'a pas trop le choix actuellement. Comment allez-vous? Eh bien, nous allons très bien. Oui, je parle pour toi. Je vais bien, c'est bon. Alors ça, c'est des grenouilles. Allez, 2007. Des grenouilles. Des grenouilles. Là, il y a plein de rubis rouges. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est bon. La date de naissance, date au nerf. Voilà, magnifique. Bravo. Voilà, c'est bon. On y est. C'est pas la date de naissance, c'est juste l'année. Mais... Oui, d'ailleurs. C'est la date de naissance, date au nerf. Bref, eh bien, avant de commencer... Parlons à Grosso. Non, Richard. Un dragon comme toi n'hésitera pas à payer quelques gemmes pour apprendre à grimper. Exactement, et hop, donne-moi le machin, ouais, c'est parfait. Et maintenant, du coup, on retourne dans le premier monde pour finir. C'est ça, c'est ouais. C'est peut-être la plage aussi. Voyager, oui, il y a plein de trucs à faire, en fait. Bref, j'espère que vous allez tous très bien, vous aussi. J'espère que vous avez mangé... des bons petits plats. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Demain, c'est le pont, alors c'est trop bien. Non, c'est, vous... non, justement, c'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui le pont. Demain, c'est férié. Bienvenue le pont. Mais c'est magnifique. Bon, bah, alors, j'espère que vous avez fait le pont aujourd'hui. Ouais, les ponts, je déteste les ponts. Moi aussi, ça m'a un peu gâché ma journée aujourd'hui. Ouais, actuellement. De toute façon, c'est nul les jours fériés. On devrait pas avoir de jours fériés. C'est pas comme si on n'avait pas beaucoup de vacances, nous, en France, franchement. S'il n'y avait pas eu pont... Je me serais mieux porté. Mais vous avez dit que vous alliez bien. Ouais, oui, ouais, non, ça va, c'est pas non plus comme si... C'est pas non plus comme si on avait eu des gros problèmes. Vive les ponts. Allez, grimpons à cette échelle, c'est magnifique. Tu as réussi à activer le bonus Super Ball. Tu vas pouvoir allumer les lampes. Pardon. Tu vas pouvoir allumer les lampes de cette grotte. Un petit personnage rigolo. Oh, ok. Oh. Alors, et vous aimez bien faire le pont? Bah oui, bien sûr. Non, j'ai eu cours et en plus les examens arrivent, donc il faut travailler tous les jours. Ah oui, bah oui, là c'est... C'est la période la plus difficile. C'est la plus difficile pour notre métier en fait. Oui, c'est le moment où plus personne regarde nos vidéos. Bon. Ah, quelle tristesse. Merci de m'avoir aidé à ferme les fenêtres et allume les lampes. Mon mode de vie. Salut à ceux qui arrivent. Et voilà les balles de baseball. Mais d'un point de vue scolaire, c'est aussi la période la plus difficile parce que il y a beaucoup de jours fériés, il fait de plus en plus chaud, ça se voit. On va revoir. On a de moins en moins envie de travailler. Ouais, moi je sais pas, justement, c'est peut-être la période de l'année où j'ai le plus envie de travailler en fait, moi donc. Au contraire. Moi je suis plus motivé en début d'année. Moi je suis carrément pas motivé en début d'année, ça c'est. Mais si, en début d'année, c'est le moment où tu te dis. Trop bien, c'est la nouvelle année, je vais faire de mon mieux. Ah non, moi, trop bien, c'est justement le moment où on s'amusait bien. Oh, où est-ce qu'il y a? J'ai raté des trucs là-bas, apparemment. Et voilà. Les examens arrivent, donc les profs sont absents. Alors, ensuite, on avait la plage ensoleillée, effectivement. Ah oui, je me souviens, en plus, c'est ton mini-jeu préféré. Je t'en souviens plus. Est-ce que c'est avec des tortues? Ouais. Il fallait empêcher des tortues de se faire dévorer parce qu'elles se jetaient elles-mêmes dans la soupe. Oui. C'est un concept très intéressant, n'est-ce pas? Je vois. Bref, voilà. Si vous avez une petite pensée pour nous, continuez de regarder nos vidéos, s'il vous plaît. Allez sur YouTube, tout ça. Regardez nos vidéos, même si vous êtes en train de... Mettez-les en fond. Mettez-les en fond, pas grave. Mettez même pas le son. Salut Spiro. Je préfère le début de la dernière, c'est le moment où on est le moins fatigué. Moi, comme je le disais dans je sais plus trop quelle vidéo,
hein, même si ça avait fait un petit peu débat sur le coup. Tout le monde était... Ah oui, c'était une vidéo de Yoshi, voilà. Où je disais que justement, moi, l'hiver c'était pas mon fort en fait, mais vraiment pas. Moi, je suis un peu le. Mais le début de l'année, c'est en automne, il fait encore beau. Moi, je suis un peu l'opposé de. L'hiver, c'est le deuxième trimestre. Moi, je suis un peu l'opposé de Valma, voyez-vous. Le deuxième trimestre, c'est le pire. Moi, il fait trop froid pour moi, alors du coup, je fais que dormir. Bah, ça commence quand même. Il y a un cuistot en haut de cette échelle qui veut faire de la soupe de tortue. Tu peux grimper et l'en empêcher. Et du coup, moi, quand il y en est en hiver, je veux faire que dormir. Ils feront une excellente soupe si je les attrape. Essaie de les sauver si tu veux. Mais je suis vraiment très affamé. On pourrait juste, le pousser et c'est bon. Est-ce qu'il va se passer? Non, bah non. Hein, non, il s'est toujours pas expliqué pourquoi est-ce qu'elles veulent se jeter dans la soupe, par contre. Hein. Elles sont juste pas très intelligentes, c'est tout. Peut-être qu'elles se disent que c'est un jacuzzi. Le jacuzzi pour tortue. Attends, elles ont faim, non? Peut-être qu'elles veulent manger la soupe. Elles veulent manger la soupe. Bon, tu as sauvé quelques tortues, mais il en reste beaucoup d'autres. Tiens, prends cette orbe et disparais. S'il te plaît. Il a l'air sympa quand même pour un méchant. S'il te plaît, arrête de les sauver un peu plus. J'en ai marre que vous essayez de m'empêcher de manger de la délicieuse soupe de tortue. Et comme on l'a dit dans le let's play à l'origine, je n'ai jamais mangé de soupe à la tortue. Oh bah là. J'ai jamais mangé de tortue tout court même, en fait. Je dis soupe à la tortue, mais j'ai jamais mangé de tortue tout court. Et ça n'a toujours pas changé. Oh, elle est pas morte. Enfin, morte. Sauvée, pour le coup. Tu fais une soupe de la tortue de l'autre côté, on est d'accord? Oui, bah oui. J'avoue que ce sont des tortues de terre, donc là, tu es en train de les noyer. Mais non. Pas de problème. Regarde. Regarde. On va tomber dans l'eau et... Ouais, elle va dans l'eau. Bon, on va sauver. Hey, qu'est-ce qui se passe quand elle est dans l'eau? Plouf, disparu. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, bon bah, effectivement, pour le coup, hein, on ne sait pas qui est le plus méchant dans l'histoire, finalement. Tu vois, c'est un peu du gâchis ce que tu fais, parce que là, tu les tues, tout simplement. Alors lui... Attention. Ah, c'est bon, il est... Il y en a une autre qui arrive. Il est devenu normal. Comme le stylo qu'il faut utiliser un couloir. Oh. Ah oui, c'est bien le film. Tu as sauvé. Merci Xivarel. Bonsoir Xivarel. Tiens, prends ça. J'allais acheter des patates avec, mais je n'en ai plus besoin. Dieu, franchement, en plus il le prend bien. Hein. Oui, ça va. Ouais, ça franchement, va. Franchement, c'est pas grave. C'est bon. Hein. Vous avez tué toutes mes tortues. Ce n'est pas grave. Mais du coup, elle est pas terminée la forêt d'été. Trop hâte de l'été parce qu'il y a de l'orage des fois. Moi, j'aime pas l'été dans le sud. Moi, l'été, bah, ça me dérange pas. Moi, en fait, l'été, le seul truc que j'ai peur, c'est pour mon matériel électronique, quoi. J'aime pas l'été parce qu'il fait trop chaud et du coup, j'arrive pas à dormir. Ah, mais ça veut juste dire que tu puises ton énergie de la chaleur. Et... Bah, j'ai trop d'énergie. Et bah oui, et bah, c'est ça qui est bien. Moi, justement, c'est pour ça. Moi, en hiver, je fais rien. Mais qu'est-ce que vous faites, Madame Elora? Il y a un truc brillant au sommet du mur. Ok, et Spirou. Si tu essayais de grimper pour l'attraper. On va essayer. Hop, 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 hop. Et même pas besoin d'utiliser la Lens of Truth là. L'été, il y a les moustiques, mais oui, en plus, c'est horrible. Ouais, j'en ai pas eu l'année dernière. Alors. C'est plutôt cool. J'espère que cette année, il y en aura pas. Ah, dommage. Aussi. Bon, cette année n'est pas terminée. Spark, ça a vu. Non, c'est pas juste. Mais si. Ah. Oh. Il nous en manque encore. Ce n'est pas encore fini. Ah, je vois. Je vois. Je préfère l'hiver parce qu'il y a de la neige. Ah, mais la neige, c'est très cool, oui. Je suis d'accord.
attendez, ils étaient en train de me dire qu'il y a un truc en fait. Mais oui, mais il est pas là en fait. Merci Sparks. Mais je fais de mon mieux. Mais tu vois, je sais pas quoi penser du printemps aussi parce qu'il pleut tout le temps. Ouais ouais, non mais voilà, moi j'aime pas quand il fait moins de 30 degrés, alors voilà. Moins de 30 degrés ? Et ouais. Mais 20 degrés c'est bien. Non, 20 degrés c'est bien. Il devrait faire 20 degrés tout le temps. Il n'y a jamais de pluie et voilà. Et on peut avoir de la neige quand il pleut. La neige quand il fait 20 degrés, pardon. Et voilà. Merci pour l'abonnement, Yo Knight. J'étais pas là au précédent stream, mais il n'y a pas trop de décalage par rapport au diff. Comment ça ? Actuellement, il reste qu'une seule partie à. Donc il n'est pas sorti. Mais... Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah oui, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, bah, on va pouvoir retourner dans pleine automnale. Voyageons. Le printemps, c'est la saison des sakuras, donc c'est cool. Le problème, c'est que les sakuras, ils durent quoi, 3 jours du coup. Oui, 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 oui. C'est pas vraiment si cool que ça. C'est pas aussi cool que ça en a l'air, plutôt. Tiens, mon bot est réabonné, j'avoue. Oui, mais ça s'est passé dimanche. Ah, je savais pas. Bah oui, du coup, je savais pas vraiment. Et bien, bien joué, mon bot. Espèce de petit frimeur, mais du coup, c'est vrai que du coup, pour le coup, je vous dis, je redirai le fait de spammer des émotes, en fait. Bon après, j'aime bien le printemps quand même parce que il y a tous les... Non mais le printemps, c'est le moment où ça commence... Les fleurs, tous les fruits, tout ça. C'est le moment où c'est plus doux, alors c'est cool. Bon, les fruits, c'est plus l'été quand même, mais... Je pense que ma saison préférée, ça reste quand même le printemps. Bah, c'est le moment où il fait. Sauf ce printemps-là, 2019, il était nul. Je suis déçu. C'est clair, non mais là, honnêtement, là, mais là, mais même le mois de mai, là, oh là là. Il commence mal, le mois de mai. Oh, le mois de mai, là. Au début, il y avait un... Enfin, non, c'était pas, même pas le début, non. C'était fin avril, là, ça commençait bien, là. Il y avait des jolies températures, là. C'était pas mal. Et finalement, le monde a décidé que... Ah non, finalement, ça serait vraiment pas mal s'il faisait moche, maintenant. Mais non, mais c'est terrible parce qu'on avait des jours où le même jour, hop, un nuage de pluie, hop, un rayon de soleil. Nuage de pluie, rayon de soleil. Impossible de prévoir le temps. En une journée, tout changeait. Ouais, ouais, mais du coup, tu pouvais même pas vraiment sortir. Il y a quelqu'un qui s'amusait à faire le chant des tempêtes et le chant du soleil à la fois. Je sais pas ce qu'il avait, mais. Il s'amusait bien. Incroyable. Allez, on va aller dans un petit niveau. Un petit niveau. Il fait ni trop chaud ni trop froid au printemps. Bah là, en ce moment, il fait trop froid. Honnêtement. Ah oui, non, franchement, on dit ça, on est en t-shirt quand même. Ouais, mais ça me dérangerait pas de porter autre chose quand même. Et là, pour le coup, bon. Qu'est-ce que tu veux porter d'autre ? Une chemise pour avoir chaud au bras. Ah ! Bon, je veux pas dire que j'ai froid, mais... Oh, ça a l'air trop mignon ! J'avoue. Ça va être un méchant ? Bah du coup... Non, attends, lui, il est plus méchant. Et lui... Waouh. Il y avait des dinosaures ici. Ah, j'allais dire. Ah, non, t'as vu il est trop cool. T'as vu, il est méchant, hein, il a rigolé. Que lâcher. Oh, tu dois vraiment les tuer en plus. Eh oui, malheureusement, désolé pour toi, ce n'est pas contre eux. Tu parles pas à toi. Bah tu les aides. Finalement. Plus qu'on peut. Je me souviens d'un jour de mars où le matin on avait nos doudounes et l'après-midi on était en t-shirt. Mais même moi une fois je suis partie me promener et... Je suis en train de me faire dégommer par tout le monde, moi, c'est magnifique. Je suis partie me promener et j'avais pris un manteau au cas où parce que je savais pas trop quel temps il allait faire. Et puis sur le chemin de la promenade t'avais des gens en manteau, des gens en t-shirt avec leur manteau dans la main. Plus personne non, savait mais... quoi faire. Non mais... Eh non, mais là, le temps, il est... Il y a pas un poulet là-bas, je sais pas. Impossible quoi. De savoir ce qu'il faut faire. Ce n'est rien. 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 Eh oui, magnifique. Oui, le matin, grand soleil, super chaud, l'après-midi, tempête, tout noir, apocalypse. Village se fait attaquer par des lézards de lave. Peux-tu nous en débarrasser avant qu'ils ne mangent mes amis?
Je vais abaisser le pont pour que tu puisses te rendre sur place. Bon, et du coup, ça veut dire que t'as abandonné tes amis là-bas? Et je sauve ma vie et après on verra pour les amis. Merde, ils sont tous droit sortis de l'œuf. Tu tues des raptors. Ah, les raptors! Les raptors! Le gang de raptors veut tout dévorer! Quelqu'un! Il va te dévorer! Non, le raptor n'a pas dévoré. Oui, mon gars! Prends cette chose que nous avons trouvée, c'est de bon cœur! Ah, le fameux. Le meilleur, celui que tout le monde aime dans Kirby. Oh, oh, on dirait qu'il y a d'autres œufs de lézard. Es-tu prêt pour un autre défi? Et voilà, bah oui, les ptérodactyles et les raptors font partie de la même équipe, bien évidemment. Bonsoir à ceux qui arrivent. On n'avait pas un derrière? Non. J'en profite pour passer un petit message par rapport à Instagram. Donc je vois des gens qui, des fois, ils postent des dessins pour nous. Ah, regarde. Hop, il a dévoré. Ah, t'as perdu. Et le raptor. Sacré raptor. Ah oui, ok, d'accord. Oui, c'est pas grave. Allez, on retourne dans le passé, pas problème. Bref, du coup, les gens sur Instagram qui veulent nous envoyer des dessins, parfois vous écrivez @ocarinites au lieu d'écrire #ocarinites. Et du coup, il faut écrire #ocarinites parce que sinon on les voit pas, parce qu'on n'a pas de compte Instagram @ocarinites. C'est le même, c'est le même. Lui, c'est le champion du monde. Tout le temps, lui. C'est parce que c'est un champion. Du coup, comme on n'a pas de compte Instagram @ocarinites, si vous envoyez un truc et que vous faites juste @ocarinites, on verra pas le dessin, on saura pas qu'il existe. Ou le dessin, peu importe ce que c'est, parce qu'il y en a qui passent aussi des photos. La photo Ocarina. Mais non, mais des photos de nous en convention, par exemple. La photo Ocarina. Du coup, voilà, nous n'avons pas de compte Ocarina sur Instagram. Merci de ton aide, Spiro. Le @Ocarina sur Instagram, c'est un compte fan qui n'est plus occupé, je crois. Oui. Et bien, c'est un compte fan. C'est en plus écrit que c'est un compte fan, mais je crois que ça fait 2 ans que la personne ne s'en occupe plus, du coup. Bah voilà. Donc même la personne qui s'occupe de ce compte ne verra même pas ce que vous envoyez. Merci pour l'abonnement. Merci pour l'abonnement, Manukila. Voilà. Je peux écrire dièse au Carinaï. Une petite bouboule. La petite bouboule. Oh, il y en avait une là en fait. Ah, le fameux. Désolé. Le fameux. Oh non. Oh. Oh. Et bon, on va le faire comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon, cadeau. Merci, Neozexis. C'est triste parce que si tu voulais avoir un compte Instagram que tu pouvais gérer, Lo, je sais pas si Dami est friand d'Instagram pour la chaîne, bah le nom est déjà pris. Oui, bah oui, c'est ça. J'aurais bien aimé... aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir un compte Instagram au Carinite, mais du coup, bah c'est pas possible. Et du coup, bah c'est pas grave, de toute façon, finalement je me suis dit que j'allais mélanger mes créations personnelles avec Ocarinite sur mon compte personnel. Du coup, bah si vous voulez voir l'activité des Ocarinite, je mélange tout sur l'eau cerise. Je mélange tout. Du coup, voilà. Bon, alors c'est sûr que je vais pas poster les dessins de Damien. Donc t'as plus qu'à te faire un compte Instagram. Mais pour ça, on en revient à trouver un nom. Non, ça a pas marché. Ah, parce qu'il en faut plusieurs. Bonsoir, Luciel. Merci, Naya-san. Je dis tout le temps Naya-san, mais je pense que c'est Nayan. Nayan-san. Nayan. Attendez, j'ai pas été chercher le cadeau. Bah non. Surtout que les gens peuvent mentionner Ocarinite dans les stories. Ils peuvent mettre le hashtag Ocarinite en mots-clés dans les stories. Oui. Salut, Yamelaku.
Merci Sadaneko. Oh oui bah tiens. Oh. Tout à l'heure, je regardais un vieux stream disponible sur la chaîne sur Mario 64 Chaos Edition et c'était trop drôle. Ah bah tant mieux si ça vous a plu. Wouah, tu es Spiro de lave. C'est clair qu'il est super cool, dis donc, comme ça. T'as les cornes enflammées et tout. Franchement, très très cool. Merci Rouen. Super impressionnant. Damisaurus, non, Damien veut pas Damisaurus parce que ça l'a lassé le Zorus. Ouais ouais bah là sur Twitter je l'ai toujours parce que ben. Oh ça sert à rien de changer en voilà, Damisaurus et que deux jours plus tard ils mettent autre chose. Voilà, je change pas parce que. Mais là il y a que Dami qui joue parce que on change à tour de rôle. Par exemple, moi je jouerai vers 22h30, quelque chose comme ça. On sait pas. Quelle tristesse. Non, peut-être pas 22h30, plus 22h45. Aide-moi à le reconstituer, il sera beaucoup plus amusant ainsi. Oui. Tu avais les cheveux longs, Lo, ça faisait bizarre. Bah, il me semble que même que dans le stream de Mario, en plus d'avoir les cheveux longs, j'avais les cheveux rouges. Donc du coup... T'as rien compris. Je ne suis pas la même personne. Damiris. Même vous faites la faute avec mon pseudo. Bah, je vois écrit Rouen 426, donc je vais dire Rouen 426. Si tu voulais t'appeler Rouen, il fallait mettre un E. Rouen. Ah non, là il y a un OE, c'est roux, c'est pas roux. Ah oui, ou oui, roux. Oui. Eh, non, 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 c'est ça roux. Se prononcerait. Ça se prononce aïe aïe aïe. Rouage. Tu avais des mèches rouges, même je crois. Bah, c'est... il me semble que c'est ce que je viens de dire à l'instant. À moins qu'il y ait un gros décalage. Bah peut-être. Tu sais, il y a des gens, genre Anako pour ne citer que lui qui... Ah oui, 30 secondes de décalage, le fameux. Qui ont 3 ans de décalage, donc bon. 3 ans. Excellent, tu as réussi à traverser la région. Je savais que je remporterais mon pari. Gronk est idiot de parier contre un dragon. Je te donne ce talisman en remerciement. Wow, bah c'est sympa, franchement. Ça se prononce Rouen, mais c'est écrit comme ça. Bah oui, bah après, honnêtement, quand on fait des remarques, ah, même vous ne savez pas prononcer mon nom, bah après, vous pouvez pas blâmer des gens de ne pas bien prononcer alors qu'ils le prononcent juste, entre guillemets, à la française, quoi. C'est écrit Rouen, alors du coup, on va dire Rouen, maintenant. Voilà, désolé, ça va pas nous venir tout de suite de dire Rouen. C'est toujours Rouen le problème, hein. De toute façon, c'est des Rouen, hein. Voilà. C'est pas contre toi, Rouen, c'est contre un autre Rouen. C'est contre les Rouen. C'est les Rouen en général. Les dons Rouen. Les dons Rouen. J'ai du décalage, non, mais c'est pas grave. Point de compétence. J'ai 5 secondes de décalage. Rouen les pins. Ou les pins, pardon. Rouen les pins. Damien dessine aussi bien que toi, Lo. Bah oui. Vous avez les mêmes sujets de dessin. Bah, vous pouvez le voir dans les miniatures. Alors, en fait. Je pense pas que je dessine aussi bien que Lo. Ce serait un petit peu dommage quand même. Ah, mais non, moi je sais pas dessiner les humains. Alors, du coup, tu vois, t'es meilleur que moi sur ça par exemple. Ah ouais. Je trouve que tes miniatures elles sont plus cool que les miennes. Oh, je sais pas. Oh, la miniature de Skyward Sword, je peux toujours pas la voir moi personnellement. Alors que ta miniature de Kingdomers, elle est super cool. Ah, Kingdomers stream, pas Kingdomers let's play. Oui, Kingdomers let's play, j'ai fait ça en 2 secondes, en mode j'ai pas le temps. C'est pas moi qui ai fait Kingdomers let's play. Kingdomers let's play, en plus Kingdomers let's play, j'ai fait un truc totalement différent de ce que je fais d'habitude en plus. Du ouais coup, ouais. C'est très différent. Les pins. Autant l'appeler la dragonne de feu. La dragonne de feu. On m'a déjà dit que mon pseudo c'était le scale, le U en E. Bah, dans une autre langue c'est possible. Le scale, c'est un peu comme le Girai. La miniature. Oui, voilà, on va dire Kingdomers 3 critique. Juan dans Pokémon Emerald. Bah oui, c'est vrai qu'il y a. Moi je l'appelais Juan du coup. Oui, bah moi aussi, hein. C'était Juan et puis voilà.
La vidéo de Zelda d'aujourd'hui, pourquoi vous n'aimez pas le premier temple du désert de l'Anel? Parce que c'est à cause de la musique, mais là, pendant le let's play, il n'y a pas eu de soucis. Mais je pense vraiment que le fait qu'on ait des meilleurs casques a beaucoup joué en la faveur de la musique. Parce que vraiment, la première fois qu'on avait fait ce donjon, on avait vraiment eu du mal avec la musique. Alors peut-être que le haut-parleur de ta télé était très nul aussi, hein, je ne sais pas. Mais c'était vraiment un souci avec la musique. Ah, il est là, le dernier. Pas de la bouboule là. Après, en soi, le temple, franchement, il a rien de spécifique. Ouais, il est juste long. La première fois qu'on l'a fait, on avait un peu galéré dans une certaine salle, mais là, dans le let's play, je crois pas que la vidéo soit encore sortie. Non, elle est pas encore sortie, mais. On n'a pas du tout galéré dans ce temple. Non, on n'a pas galéré, je veux dire, je sais pas si c'était. Ouais, mais je sais pas si c'était à l'époque. C'était. Bah non, je peux même pas dire que c'était nul, parce que je me souviens que. Bah non, j'allais dire, je me souviens que j'avais eu du mal à. Je me souviens quand on avait fait les let's play de Super Mario Galaxy, j'avais eu un peu de mal, mais... Merci Spyro, maintenant je peux remonter mon ami. J'allais dire c'est par rapport à... Mais là la distance est plus ou moins similaire à notre première expérience de Skyward Sword en fait, au niveau de l'ascenseur bar et compagnie. Non, on était beaucoup plus proche de la télé. On était plus proche, mais je trouvais que c'était mieux pour Mario Galaxy. C'est toujours aussi random ce truc. Alors avant il partait quand même, là il part plus. Du coup c'est plus pareil, mais c'est toujours... Attends, peut-être qu'il va partir. Non, il recommence. Bon. Avant il faisait des saltos et tout. Ah oui c'est vrai, moi c'était ça à aller chercher, mais je sais pas comment je le prends. Déjà tu prends les deux et puis t'es content. Attendez. Viens. Allez. Bah oui. Franchement. Quel est votre Spyro préféré? De mémoire, mon enfance me dirait que je préfère le 1, mais tu dois avouer que je crois que je préfère le 2, honnêtement, quand même. Enfin, celui auquel on joue actuellement, pour le coup. Ben moi, je connais pas le 3. Maintenant, j'avouerai qu'entre le 1 et le 2, je saurais pas dire. Il y a beaucoup de choses, finalement, dans le 1 que j'aime pas par rapport au 2. Bah, disons que... Les voleurs d'œufs, notamment. Le 1, il est sympa, mais le 2... Le 2, il apporte le papillonnage. Le 1, il est sympa, mais la fin du 1 est... Ben, elle est longue, quoi. Après, le 3, du coup, je le connais pas du tout, donc je peux pas te dire. Le 2, parce que Elora, c'est clair que après, là, il y a Elora. Elora est très cool. Elora est super cool dans ce remake. Après, j'ai joué à l'opus Saison de Flamme sur GBA, et j'en souviens plutôt cool de ce jeu. Je sais qu'il y avait des choses que j'aimais pas dans ce jeu, mais quand même ça va. Après, j'ai toujours voulu essayer les espèces de sagas avec Cinder, mais j'ai jamais eu les jeux en main, donc j'espère qu'un jour on aura l'occasion de jouer. Oui. Parce que bah j'aimerais bien la connaître finalement, cette demoiselle. Cachot de